Hello à tous et à toutes, c'est Bestie. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite et la dernière partie de la frappe Solus de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Hop, donc là on va s'attaquer au dernier combat de boss de ce Shippuden. Hop, c'est parti. On va essayer de faire ça correctement, d'abord le facteur secret, parce que le facteur secret est dur à faire. Donc chapitre final. L'histoire de Naruto Uzumaki. Donc, hop, le dernier combat, bien évidemment, Naruto Sennin vs Pain. Hop. Alors, la condition bonus, utiliser du ninjutsu 6 fois, on va essayer de faire ça aussi. Donc là, nouveauté, évidemment, du Shippuden, Naruto en mode Sennin. Je vais essayer de pas trop faire de bruit avec ma manette, même si ça va être dur. Parce qu'il est vachement dur. Il est déjà en mode éveil, je crois, en Pain. Quand vous le combattez là. Utiliser des ninjutsu 6 fois. Adversaire immunisé contre toutes les altérations, machin. Donc ça, on le connaît. Allez les gens, c'est parti. On y va. Hop, alors là, on va essayer. Ah, donc déjà, vu qu'on a Naruto en mode Sennin, on a des nouveaux combos. Hop, on va essayer d'utiliser un maximum de... Voilà, comme ça. Vu qu'il faut en utiliser... Ah la pute, elle a bien joué là, j'avoue. Le bot a bien renvoyé. Ah, merde, j'ai plus de... Bon, c'est bon, on a utilisé du ninjutsu 6 fois. Ah, ça par contre c'est con, hein, mon pote. Ah non, là il est pas tout de suite en mode éveil. Merde. J'ai raté. C'est après qu'il sera en mode éveil. Putain, je me fais latter. Il est archi fort et c'est archi dur de permuter Pain. On va essayer en déchaîner ça. Hop, allez, tiens, enchaînement de ouf. Yaruna. Non.
Nande. Je suis... Naruto-kun. Hop, nouvelle phase avec Naruto. Donc là, on est en mode éveil. Hein. Hop, on est en mode éveil, on a des nouveaux combos. On est Kyubi, enfin Naruto à 6 queues. Hop. Donc là, en fait, faut essayer de... Ouais, alors si j'y arrive à le toucher... Ah la pute. Parce que normalement j'arrive à l'enchaîner. Parce que c'est archi dur de contrôler Kyubi à 6 queues. Parce que il... Est-ce que je peux arriver à... Tiens, moi je t'enchaîne là. Allez viens. Pourquoi tu fuis? Ok, donc là, il m'a bien niqué. En fait, je me prends des rochers dans la face depuis tout à l'heure. Tiens, dans ta face. Bon là ça va être assez long et assez dur en fait. Parce que là il se fait son petit astre machin là. J'adore contrôler j'adore contrôler Naruto comme ça là. C'est archi kiffant. Alors je sais pas si je vais avoir le facteur secret parce que vous avez vu que j'ai raté pas mal de trucs. Alors là il soulève des rochers donc là il suffit juste de courir partout en fait. Hop, on va courir partout pour esquiver ces rochers de ouf. Ouais, il est où Pain? Il est là. Allez, encore une fois. Tiens. Kyubi no chikara, subarashii mono da.
なんでだ。なんでこうなっちまう。苦しい。苦しい。誰か俺を助けてくれ。俺はもう。 こんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子かい？え？四代目火影？ああ。八本目の王まで封印が解放してしまうと、お前の意識の中に出てくるよう封印術に細工しておいたのさ。 なるべくそうなってほしくはなかったが、でも成長した息子に会えるのは楽しみでもあったから、イーブンってとこかな。大きくなったね、ナルト。ナルトって俺の名前、なんで四代目が？うん、だってお前の名前は俺が名付けたんだから、せがれなんだし。せがれ？じゃあ俺ってば。 さっきも言ったろ、俺の息子だって。<笑>父ちゃん、俺の四代目が俺の父ちゃん。キュービをお前に封じてから色々と大変だったようだね。すまなかった。 ずっと聞きたかった。ん？なんでだ？なんで俺にキュービを封じたんだってばよ。キュービが俺の中にあるおかげで、いろいろ大変だったんだぞ。お前にキュービのチャクラを封じたのは、その力を使いこなすと信じていたからだ。強大な敵とぶつかった時、お前を助けてくれる力になると。 この葉隠れを襲う最悪の敵に打ち勝つ力になると、そう信じていたからだ。なの、勝手だってばよ。ああ、勝手だった。でも、お前なら俺の息子ならできると確信していた。木の葉の里は潰されちまった。 お前の中から見てたよ。それにジライア先生のことも知っている。あいつはペインはむちゃくちゃ強えってばよ。今まで会ったどんな敵よりも。ああ。でもあいつを許せねえ。エド仙人も里も全部あいつが潰しやがった。だから俺は、おそらくあのペインも かつてはお前と同じ気持ちで、そして結果として、え？何もないところから憎しみは生まれない。大切なものを救おうとして戦いが生まれる。そしてそれを失うことで、じゃああのペインも何かを失って今のペインになっちまったってのか。それはわからない。ただ理由なき憎しみはないはずだ。 結局のところ、忍びとはその憎しみとの戦いなんだ。どの忍びも憎しみと戦っている。ジライア先生はこの憎しみを終わらせる答えをお前に託したんだ。でもだからって俺はペインを許せねえ。許すことなんてできねえ。ああ。四代目、教えてくれってばよ。 答えは自分で探すんだ。その答えは俺にもわからないよ。そんなことできるわけねえだろ。エロ仙人や四代目すらわかんなかったことをこの俺ができるわけねえ。俺ってば頭悪いし、そんなにすげえ忍者じゃねえし。それに、お前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。
本当に本当に俺にそんなこと。どこまで言っても子供を信じるのが親ってもんだからね。さて、そろそろ俺も行かなきゃならないかな。チャクラが薄れてきてる。封印を組み直す。だが、これで最後だ。 この葉はまだやり直せる。頼んだよ。父ちゃん。どんな時でも俺はお前の味方だよ。 ありがとう、父ちゃん。俺、やってみるってばよ。 キュービが消えた。一体何が。こいつ、すでにキュービを制することができるというのか。こっからが本番だ。 Et voilà, là c'est reparti, on est reparti sur le dernier combat, la troisième phase, et c'est la plus dure parce que Pain est en mode éveil, et on se fait latter sévère. On se fait latter sévère le trou de balle. Alors, c'est la merde. Viens là, j'en ai pas fini avec toi. Putain, vous voyez, il permute assez facilement et c'est un enfoiré parce qu'il nous latte le fion. Et j'ai pas compris là. Allez. Chakra, sinon je vais crever. Ah putain, quel enculé. Ah putain, la pute. Ah oui, c'est vrai que là on est redevenu en Naruto normal là, donc j'ai pu le mode Sennin, enfoiré. Ah putain, j'ai plus de chakra. Oh, c'est la merde. Ah putain, l'enfoiré. Oh putain. Il est archi dur. Franchement, c'est un truc de ouf comment il est dur. Mais bon, là, on a fini. C'est bon, on a fini. Arrête de me taper. お前に万が一はない。諦めろ。お前こそ。な、俺が諦めろ。
Et voilà, fini le combat de Naruto vs Pain. Le dernier combat de ce Shippuden, enfin le dernier combat de boss. Très fort pour ceux qui suivent l'animé de Naruto. Ah, un petit rang S quand même, hein, avec 42% de vie. C'était la fin de ce Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. La fin de cette frappe solide, bien évidemment, parce qu'après on a le fragment de l'autre qui est un peu un bonus où on rencontre Hachibi, l'autre du. Hachibi, le démon à 8 queues, hein, et son Jinchuriki Killer Bee. C'est fini. Alors où je vous parle, dans un mois, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generation sortira. Je ferai bien sûr la frappe Solus peut-être complète, hein, si c'est pas des missions comme je vois dans le 2. Je ferai sûrement la frappe Solus complète, parce que bon, je l'attends avec impatience déjà, et puis vu que je suis un fan, je le ferai de toute façon. Donc là si Naruto arrête de bugger, hop, et juste quitter en version théâtrale, on va dire, devant Konoha, qu'on peut voir. J'ai toujours ramassé des objets. Voilà, manger tout au max apparemment. Et c'est ici que je vais vous quitter. Donc j'espère déjà que cette vidéo vous aura plu et que cette frappe Solus aussi, pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont fans de Naruto bien évidemment, parce que bon, plusieurs d'entre vous ne sont pas fans. Si vous avez vu le jeu vidéo et que vous ne connaissez pas l'anime, je vous conseille de regarder d'abord le manga, puis l'anime en Vost FR surtout, parce que bon, en VF c'est pas mal, mais vaut mieux regarder les épisodes en Vost FR. Prenez soin de vous, aimez mes vidéos bien évidemment, et on se retrouvera la prochaine pour une nouvelle frappe Solus. À plus tout le monde!